Ma foi, tes dents sont en parfait état. Et assure-toi de te brosser les dents 2 fois par jour. Sommes-nous prêts à passer au prochain animal de compagnie magique? Mais certainement. Transforme-toi en ambulance, Marfel. L'équipe dentaire d'animaux magiques de compagnie à la rescousse. Êtes-vous prêt à vous faire examiner les dents, les petits? Pas de problème ici. Tout va bien. Maintenant, il ne reste plus que les animaux magiques de l'animalerie, n'est-ce pas? Tout à fait. Et nous aurons fait tous les contrôles. Allons-y, Morphel! Ça a l'air bien. Qui est le suivant? Alors, voyons voir. Oh, mon pauvre! Tu as une carie. Ne t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Je peux la réparer avec ça. Hé, hey, attends, mon grand! Oh non! Il est tout effrayé! Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit blessé. Morphel, transforme-toi en cheval! Vous devez ranger ce truc. Oups, ah désolé. Transforme-toi en dragon. De courir. Ce n'est vraiment pas si terrible. Oh là là, mais comment? Comment allons-nous l'arrêter? Nous avons besoin de quelque chose qui peut nager très vite et qui est assez fort pour arrêter son bateau. Oh, Marfel, transforme-toi en crocodile. Maintenant, arrête le bateau, Morphel. Oh, je suis désolé de t'avoir fait peur, mon grand, mais il est très important de traiter cette carie. Ça ne te fait peut-être pas mal maintenant, mais si tu ne fais rien, ça te le fera dans le futur. Ok, Morphel, tu peux lâcher maintenant. Morphel? Morphel a mal à une dent. Oh mon Dieu, laisse-moi voir. Il semble que tu aies aussi une carie, Morphel. Oh, mais tu n'as pas peur du dentiste, n'est-ce pas? Retournons à ma clinique. Et voilà comme neuf. Et comme vous avez été tous les deux très courageux, un petit cadeau. Youpi! Hein?
Regarde, Morphoul, c'est Laurent le constructeur. Faisons-lui une surprise. Coucou, Laurent. Oh. Salut les enfants. Salut, Morphoul, tu as l'air en pleine forme. Morphoul est licorne maintenant. Morphoul a une corne et Morphoul a des ailes. Incroyable! Wouhou! Wow! Tu peux faire la même chose, Morphoul? Morphoul, essayez! Oui! Waouh! 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 T'as une super licorne, Morphoul! Hein? Oh! Toi aussi, tu es une super licorne! Licorne, Morphoul, ami! Morphoul, heureux! Allons là-bas! Allez, les gars! Partons à l'aventure! Au revoir, Monsieur Laurent! Au revoir! Au revoir, les enfants! Oh, waouh! Allons là-bas! Oui! Hey! Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Bonjour, dragon. Oh non! Le dragon a perdu un de ses bébés et il ne peut pas quitter son nid. Ça doit être le petit dragon qu'on a vu dehors. T'inquiète pas, dragon. Morphoul va t'aider. Oui. Bébé dragon, nous voilà. Voyons voir. Morphoul, ils sont si drôles. Morphoul, morphe-toi en singe. Singe. Morphoul, regarde.
Mila, où est Morphle? Il est temps de rentrer à la maison. Oh, tu es là. Bien, allez, on y va. Ah, ces vilains singes sont encore de retour. Allez, attrape-les, Rudy. Ah, je suis vraiment désolé pour ça. Je vous en prie, madame. Tu l'as eu, Rudy. Bravo. Toi, tu es le seul singe qui n'est jamais vilain. Tu écoutes toujours. Regarde, Rudy, nous avons oublié un singe. Il sort du zoo, comme ça, il va s'échapper. C'est vraiment vilain. Va le chercher, Rudy, et ramène-le sain et sauf. Ok, amusez-vous bien. À plus tard. Regarde, Morphle, un autre singe. Oh non, il veut t'attraper. Bon travail! Tu l'as ramené chez lui! Ok, Rudy, reste ici et surveille bien ces vilains singes. Et quoi qu'il arrive, ne laisse pas ce petit singe s'échapper encore une fois! Morphle, pas un singe! Morphle, animal magique! Morphle, rentre maison! Mila manque, Morphle! Oh, Rudy! Oh, je croyais que tu étais le seul singe jamais vilain. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas le laisser s'échapper. Tu ne m'as pas écouté. Oh, je suis vraiment déçu. Hein? Tu n'es pas un singe. Non, il n'est pas un singe. C'est mon animal magique, Morphle. Il s'est juste morphé en singe. Oh, je suis désolé, Morphle. Je pensais que tu étais un de ces vilains singes. Et maintenant, je comprends pourquoi tu ne m'as pas écouté, Rudy. Tu savais que Morphle n'était pas un vrai singe, n'est-ce pas? Tu voulais qu'il rentre chez lui.
chez Mila. Tu n'étais pas du tout vilain. Rentrons à la maison maintenant, Morphle. Morphle veut retourner chez Singe. Morphle, jouer avec Singe. Nous devons être très prudents avec ça. C'est une grosse boîte remplie de monstres effrayants. Il faut que j'appelle la police. Morphle, jouez avec monstre. Non, Morphle. Allô? Allô? C'est affreux. Quelques-uns de mes monstres effrayants se sont échappés. J'arrive. Oh, tu n'as pas le droit de faire peur aux gens, monstre. Morphle ? Morphle ! Morphe-toi en toi-même. Morphle, pas vrai monstre. Hein ? Morphle ! Les monstres font peur à tout le monde, mais Morphle n'est pas un vrai monstre. Voilà les vrais monstres ! Arrêtez de faire peur à tout le monde, vilain monstre ! Ne me faites pas peur comme ça. Bonjour. Hé, les monstres ont peur de Morphle. Tu es un monstre de monstres effrayant. Alors, n'ayez pas peur de Morphle. C'est un de mes amis, et il est en fait très doux et câlin. Regardez, vous pouvez le caresser. Vous voyez ? Mais ce n'est pas agréable d'avoir peur, pas vrai les monstres ? Alors, vous ne devriez plus faire peur aux gens. Je pense que les monstres devraient aider les gens à ne pas avoir peur d'eux. T'aider à ne pas avoir peur. Oui, tout comme moi qui vous ai aidé à ne pas avoir peur de Morphle. J'ai peur du docteur. Le monstre n'a pas peur du docteur. Tu ne devrais pas avoir peur aussi.
Le monstre va t'aider à ne pas avoir peur. Morphole, j'ai peur de l'obscurité. Morphole, peur aussi. Mais nos nouveaux amis nous aideront à avoir moins peur. Morphle, morphe-toi en dauphin. Il n'y a rien que les dauphins aiment plus que jouer. Ah, maintenant, c'est notre bal. C'est méchant. C'est la balle des dauphins. Eh bien, on est des pirates et on adore faire des choses méchantes. Nous devons récupérer la balle des dauphins. Il n'y a rien que les dauphins aiment plus que jouer. Morphle, récupère balle. Oui, allons récupérer la balle. Mais qu'est-ce que c'est? Il est écrit que cette bouteille nous amènera vers le trésor de Neptune, le roi de la mer. Wow! Suivez-moi. Suivons-le jusqu'au trésor, Phil. Nous sommes des pirates et nous adorons les trésors. Le poisson s'est arrêté. Le trésor doit être ici. Je suis Neptune, le roi de la mer. Si vous voulez mon trésor, vous devez passer cette épreuve. Vous arrivez à la fin de ce courant d'eau magique, je vous donnerai mon trésor. Un peu plus haut, Morphle. Je l'ai presque. Petit ami rouge, tu as réussi mon épreuve. Comme récompense, je te donne mon trésor. Quand tu portes cette couronne, tu peux contrôler la mer. Wow.
dauphins aiment jouer. Mais ils n'ont rien pour jouer car nous n'avons pas retrouvé la balle. Retournez chez nous, dauphin. Problème résolu. Au revoir. À la plage. Les animaux magiques, occupez-vous bien du magasin pendant notre absence. Au revoir tout le monde. Merde. Bon. Au travail, Yann. Est-ce que tu as goûté, Stan? C'est trop bon. Bonjour, madame. C'est la chaleur qui vous dérange? Oh, terriblement. C'est gentil à vous de demander. Allez, vise-la, Yann. C'est beaucoup mieux, non? Le dernier dans l'eau est un cornichon. Aïe! Oh, ouf! Comment cette glace est-elle arrivée ici? Pas besoin de me remercier. Profitez-en! Ne t'inquiète pas, papa. Nous allons les arrêter. Transforme-toi en Morphle Lion Géant. Maintenant, finissons-en. Ça c'est fait. Oh non, Morphle. Ne t'inquiète pas, Morphle. Je vais te sortir de là. Alors, ils ont eu Morphle aussi? Oh. Papa, tu es libre. Oui. Nous avons de la chance que le soleil soit si chaud aujourd'hui. Maintenant, sortons Morphle de là. Yeah! Maintenant, transforme-toi en Monster Truck. Mais avec des pointes sur les roues pour ne pas perdre l'adhérence sur la glace. Thank you.
Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu veux de la crème glacée? Cette girafe a l'air un peu malade, Morphel. Oh, Mila, Morphel, c'est terrible. Tous les animaux du zoo ont attrapé la grippe. Et il faut les emmener voir un docteur. Nous pouvons vous aider, gardien Kenneth. Morphel, transforme-toi en ambulance. Par ici, tout le monde. Vous allez vous sentir mieux en un rien de temps. N'êtes-vous pas content que nous ayons amené les animaux chez le docteur, gardien Kenneth? Oui, bien sûr. Évidemment, je suis content, Mila, mais... Mais cet après-midi, beaucoup de gens vont venir visiter le zoo. Et il n'y aura pas d'animaux à leur montrer. Je crois que je sais quoi faire pour régler ça. Repartons au zoo. Morphel, transforme-toi en kangourou. Oh, quelle bonne idée, Mila. Oui, ça pourrait bien marcher. Oh, regarde, grand-mère, un kangourou. Oh, il est très beau, ma chérie. Voyons ce que cette cage devrait avoir. Il y a écrit « tigre ». Je ne vois pas de tigre. Morphel, transforme-toi en tigre. Voilà. Gardien Kenneth, où est la girafe? Je crois qu'elle est en haut de l'arbre. Elle aime bien faire ça, tu sais. Yo, les singes! Ouh! Y'a quelqu'un dans la famille singe? Pas d'éléphant. C'est étrange. Vite, Morphel! Tu dois te transformer en singe! Non! L'éléphant est le plus important. Fais quelque chose, Morphel! Yo! Les singes! Quoi? Un éléphant? Mais c'est écrit que tu es supposé être un singe. Vous avez dit éléphant? Où est-il? Quoi? Et un lion. Où sont les perroquets? Je ne trouve pas les rhinocéros. Les crocodiles sont-ils encore endormis? Morphel, tu dois te transformer vite. Oh, waouh! Oh, quel incroyable animal! C'est le plus cool des animaux. Bien joué, Morphel. Zira,
Oh, quel dommage! Moi qui voulais vraiment prendre en photo un caméléon, oh! Bien sûr! Les caméléons peuvent changer de couleur pour se camoufler et ils deviennent très difficiles à voir. Ah! Wow. Morphle veut être caméléon aussi! Morphle, trouve pas caméléon! Regarde, par ici, Morphle! Oh, te cache vraiment bien! Oh, c'est une super idée! Joue à cache-cache! Caméléon, est-ce que tu veux jouer à cache-cache avec nous? Bonjour, Mila. Bonjour, Monsieur Gouache. Est-ce que je pourrais vous emprunter un peu de peinture et un pinceau? Oh, bien sûr que tu peux. C'est toujours super de voir les futures générations s'intéresser à la peinture. Si tu veux, je peux te donner des cours. Je suis prête. Caméléon, cette fois, c'est toi qui comptes et qui dois nous trouver. Ok, Morphle, arrête-toi ici. Hein? Maintenant, ne bouge surtout plus. Tada! Oh! Le caméléon arrive! Ne bouge pas, Morphle! Tu m'as trouvé! Mais tu dois quand même trouver Morphle! Voilà. Et tu as le caméléon avec toi. Ah. Attends une seconde, oncle Wilfried. Oh, ça fera l'affaire. Merci, Mila. Maintenant, Morphle, j'aimerais bien faire une photo de toi en caméléon. Morphle ?